Ce qui me plaît en SVT, c'est le tout en fait. On fait du grand, comme la géologie, où là on étudie les planètes, ce qui s'est passé il y a des millions d'années. Et comme on peut aller dans de la cellule, du tout petit, comme ce qu'il y a dans une feuille de plante ou des choses comme ça, et au final, en fait, on apprend un peu tout. Après, certes, il y a des choses qui sont plus dures que d'autres. La biologie, ça me passionne un peu plus que la géologie, mais ça, après, c'est... Chaque personne sera différente, mais du coup, on fait à peu près tout ce qu'on peut voir sur la Terre, comment ils créent des montagnes, ça paraît tout bête, mais en vrai, c'est quelque chose de passionnant quand on y pense derrière. Du coup. J'adore y aller parce que on apprend vraiment des choses très intéressantes, comme du vivant, comme l'avait dit une camarade, du tout petit jusqu'au plus grand. Et donc j'ai voulu toujours ça. Moi qui suis très curieuse, ça nourrit entre guillemets ma curiosité et je m'y plais vraiment parce que c'est très très passionnant. Et puis même, il y a de la géologie et il ne faut pas se rebuter comme on a fait au début parce qu'au final c'est très intéressant parce que ça répond à des questions qu'on se pose et qu'on n'a pas forcément la réponse tout de suite. Et puis du coup, au fil du temps, je me suis orienté vers des études de STAPS. Donc la SVT, c'était le compromis parfait. Donc en première, j'ai pris trois spécialités, donc physique, chimie, maths et SVT. Et en terminale, j'ai abandonné la spécialité maths et j'ai gardé la spécialité physique, chimie parce que dans mes études supérieures, voulant partir en pharmacie, les spécialités que l'on conseille de garder sont physique, chimie et SVT. Par exemple, la chimie pour moi, les médicaments plus tard, et la SVT pour la biologie en général.